vamos. Africana yukamo. Africana yukamo. Donc je suis Monsieur Zango Souleymane. Bon, je ne peux pas dire que je suis le fondateur, mais je suis la coordinateur dans l'association Sabac Fitness et Culture, qui est en France, qui est ici. Donc notre but, c'est pouvoir développer la culture burkinabé, on va dire africain, mais surtout au Burkina. Nous sommes là aujourd'hui pour voir les œuvres qui ont été mises en place, l'école maternelle, l'école primaire, pour voir avec les enfants, dans le domaine musical, qu'est-ce qui est en train d'évoluer pour pouvoir garder la culture burkinabé. Donc c'est dans cette cadre que nous sommes là aujourd'hui. Ici, c'est l'association Sabac Afro-Culture qui a fait la naissance de l'association Tam Tam, le Baobab. Donc tout c'est dans la famille des Sabac. Donc nous sommes des professeurs qui donnent des cours de danse traditionnelle en France. Donc tout ce qui est danse africaine, percussion, renforcement musculaire, les zumba, conte et théâtre à travers de la culture burkinabé. Donc on est basé à Strasbourg depuis plusieurs années en travaillant avec plusieurs villes différentes. Donc nous avons pu avoir plusieurs soutiens différents. Le meilleur des choses, n'oublie pas où nous venons. Donc nous sommes revenus dans les sources. Je suis Patricia Lorenz, présidente de l'association Sabac Afro Fitness en France. Et nous sommes venus aujourd'hui faire une petite visite à l'école Sabac Tam Tam le Baobab avec deux de mes collègues. Donc je m'appelle Isabelle, je suis infirmière en France, bénévole à l'association. C'est la première fois que je découvre l'école Tam Tam le Baobab. Donc je suis très heureuse d'être avec vous. Moi c'est Manon et je suis bénévole dans l'association depuis 7 ans. J'ai commencé avec les cours de danse et après on a commencé à monter des projets et j'ai suivi. Moi j'ai découvert Sabac en France grâce à la Zumba et vu que j'avais toujours envie de découvrir l'Afrique, c'est grâce à Sabac que je suis venue chez vous en Afrique pour voir un peu mieux comment vous vivez et qu'est-ce que je peux vous apporter. Moi c'est pareil, ça fait, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à faire des cours de danse et on s'est imprégné tout doucement des différents projets qu'il y a eu dans l'association et on a suivi en fait le fondateur et on vient aujourd'hui sur place voir réellement les différentes difficultés qu'il y a. Les différents projets qu'on peut monter, c'est sur le terrain en fait qu'on comprend mieux ces choses-là. Ça ici c'est une zone qui n'a pas encore l'outil, c'est une zone que la vie des gens sont vraiment limitées. Et donc on a essayé de trouver une petite solution, de mettre une petite école au niveau de l'éducation. Donc c'est cette école qui sont là et on essaie de développer maintenant tout le mercredi. De 16h, 15h à 16h, tout ce qui est culturel pour que les enfants... Parce qu'aujourd'hui, mon problème, je rencontre beaucoup d'enfants. Quand je lui parle dans la culture, le djembé, les enfants ne connaissent pas. Quand on dit le balafon, ils ne connaissent pas. Quand tu dis Waraba, ils ne connaissent pas. Ils croient que c'est le nom de quelqu'un. Or que nous, on est basé de ça. C'est notre ressource. Quand on dit ressource financière de notre pays, sans parler de autre chose, c'est la culture. Mais si nous oublions la culture, je pense que nous perdons vraiment la richesse de notre culture, quoi. Donc voilà, ça c'est le base de l'association qui est installée en France. Et maintenant on a mis un centre de formation ici pour essayer de travailler avec nos frères et sœurs dans le domaine culturel et dans le domaine fitness. Tous les soirs on fait un truc sur tout ce qui est développement corporel, les cours de danse, les chants. Et après maintenant, on essaie de travailler dans la semaine avec les enfants, l'éducation, tout ce qui est scolaire. Ça veut dire apprendre à lire et écrire. Avant que le djembé arrive, quand on parle de tam-tam, le lunga, les enfants ne connaissent pas. Mais pour moi, je suis parti en Europe pour développer la culture burkinabé. Aujourd'hui, je pense que les Européens, ils ont compris ce que ça veut dire la culture africaine. À 50%, je pense. Mais on ne peut jamais finir d'apprendre. On ne peut jamais finir de donner vos savoirs. Mais je pense que notre pays même, le Burkina Faso,
nos enfants ont une grande difficulté vraiment pour pouvoir conserver notre culture. Donc c'est pour cela qu'on a pu avoir avec mes collègues qui sont là. Ça fait plusieurs années, par un don de terrain que la ville qui nous a mis en place, que nous avons pu se débrouiller, mettre toutes les possibilités en marche. Et aujourd'hui, on a une école qui est là. Donc vraiment, nous tenons à dire un grand merci à nos amis de l'Europe et ici, que Dieu veille sur tout le monde. Et nous sommes vraiment contents. On voit que les enfants, ils sont contents. Parce qu'un enfant, quand tu le vois, il va, il revient, ça veut dire qu'il y a un bon résultat qu'il donne. Si on a plus d'une centaine d'enfants qu'on prend dans le centre Soli Faso, et quand on quitte là-bas, on a l'association Béonema, le meilleur lendemain. C'est lui qui fait tout ce qui est parrainage d'enfants. Donc on essaie de voir les enfants qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas aller à l'école. Bon, avec le moyen, ceux qui peuvent en Europe ou au Burkina Faso, payer les scolarités de certains enfants, ça ne coûte pas grand-chose, hein, surtout au Burkina. Vous voyez, gérer un enfant jusqu'à 300 enfants sans pas avoir un problème, un enfant perdu ou un enfant malade grave, jusqu'à là, on n'a jamais arrivé. Donc je pense que déjà là, on est vraiment content, on est fier. On est fier, on n'a pas encore fini. Si vous voyez les classes, on n'a que 4 classes. Normalement, on comptait mettre 7. Par manque de certaines choses qui ont débrouillé toujours avoir le moyen, on compte que d'ici l'année prochaine, on va rajouter les 2 classes qui manquent là, si Inch'Allah, et on continue tout doucement. Voilà.